Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la Prusse. Alors, dans la prochaine guerre, qui allons-nous attaquer? Eh bien la Moscovie. Voilà. T'as pas grand monde. Il a fait des revendications à Novgorod, c'est parfait, on va continuer à le nourrir. Du coup les gars, toi, tu viens là. Toi tu viens là. On se garde la Lituanie pour je sais pas quoi. Ah, il y a Venise, ouais. Est-ce que je peux rajouter des galères? Non. Est-ce que, à tout hasard, l'Espagne a envie de venir? Non. Putain, j'ai presque envie de lui rembourser ses dettes, quoi. Prêt attitude envers l'ennemi, non. Mais peut-être que en termes de faveur, on a de quoi... dégrader l'opinion, ouais, on pourrait. Donc je me demande si je vais pas économiser pour rembourser les dettes espagnoles et le faire venir contre la France. Alors toi tu vas rester là pour gérer les rebelles, je pense. Je sais même plus qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, voilà. Et puis tu vas continuer ici. Voilà. Et ici... Non, je vais t'enlever ça. Donc toi tu vas là-bas, ouais, toi tu vas là-bas. Toi. Tu vas venir par là, on verra ce qu'on fait après. Ouais. Très bien. Je serais presque enclin à faire ça aussi. Au moins sur certains forts capitaux. Type Berlin. Après, est-ce que Posen, c'est un fort important? Je suis pas certain. Est-ce qu'on a des forts là qui... Ah, ici, ce serait bien Prague. Pourquoi je peux pas? Parce que c'est trop petit. Qu'est-ce que t'as ici? Une église. Il faudrait que je te développe. D'accord, bon, plutôt un fort ici. Ici, c'est des bois. C'est des bois partout. Mais si j'en mets un là, il n'y a plus besoin d'en avoir là, je pense. Ok. Ensuite, ici, bof. Ici, bof. C'est pas ouf, hein, les terres ici. Pour les... pour la défense. Y'a même pas de colline ou quoi? Putain, c'est dingue. Bon, là j'en ai pas forcément besoin dans ce coin. Ici, il pourrait être intéressant. Vu qu'on a les montagnes ici, ça empêcherait de passer. Ouais, non, si, il serait très intéressant ici. Ok, bon, on fera l'autre plus tard. Très bien, donc direction par là. Mais Bourgogne existe encore? T'as pas envie d'être vassalisé toi? Ah non, je possède des provinces à toi, d'accord. Ah oui, toi, tu... j'allais dire, comment tu fais pour exister, toi? Tu t'allies à la France, forcément. Et toi, t'as toujours pas changé de rivaux. Putain, l'Espagne, sincèrement, t'as vraiment pas envie de venir? Ouais, je disais d'économiser, j'ai fait d'efforts. Ouais. Allez-y. T'as 110 000 de réserve. Au niveau des techs, on est pareil. Voyons voir si je regarde...
Il perd 5%, ouais. Putain, je suis presque à 125% de discipline, c'est quand même cool. Hein. Qu'est-ce qui vous fait monter votre défense? Nation chanceuse, ah. Ok. Le Portugal, nation chanceuse, démonstration de force. Défense favorisée, je sais pas d'où ça sort. Et certainement un conseiller. Allez, on arrive bientôt, on est 90 000. Là, je vais faire ça. Attends. Ici, ah bah parfait, on est à côté. Impeccable. Bien, capacité de siège, impeccable. Donc toi, tu vas où? Tu vas là. Toi, tu vas là. Tellement de promesses à convertir, j'ai presque envie après de prendre les doctrines religieuses. Au niveau des missions, ça fait un moment que je n'ai pas regardé. La base Saxe. Il me reste quelques provinces. J'aurai des revendications. Ouais, là pareil. Ouais, c'est oui, c'est l'Allemagne quoi. Ouais bon mais ça va venir tout seul. Et empereur du Serge, ça on n'y arrivera pas. Ces deux on ne pourra pas les faire. Ici qu'est-ce qu'il me faut? Ah il faut une université et un développement de 30. D'accord. Un développement de 20, ok. J'aurais dû le lire avant ça. Niveau points, est-ce qu'on peut lâcher des points là-dedans? Oui. Et je mettrai le reste en points militaires ou admin, on va voir. Ouais, il me reste qu'un point, vas-y, à la fin du mois. Voilà. Et du coup, dès que l'université est faite, c'est bon. Qui est-ce qui t'attaque, toi? La Saxe. Ok. Bonjour. On va prendre Belou 0, oui, si tu veux. Siéger, les gars. Oh putain, j'étais pas à côté. Ou alors il n'y a pas été, je sais pas. Une carrière dans l'armée. 15 de tradition terrestre, oui. Si le Riaz a remporté. On est plus rivaux, hein. Non, t'es trop petit. La Bohème, je pourrais m'en niquer chez toi. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas la Bohème. C'est la Pologne. Ouais, non, j'ai pas assez. Bon, on va mettre un mec chez la Bohème. Je crois pas que j'ai... Non, j'en ai plus. Moscou est tombé, super. On va le prendre Moscou. Qui va? T'es où? T'as encore la circassienne qui... Oh putain, qui va? On va pas aller chercher là quand même.
Non, prenons le prestige. Tu veux où? Ici. Alors, viens là plutôt. Ninja Novgorod est tombé, ouais. Alors Kazan, on peut faire la paix, mais il va falloir que tu files à Novgorod, mais tu vas pas vouloir. Hein. Ouais, tu vois. Tu vas où, toi? Toi, tu vas là, toi. Ah, on est bloqué par ce fort, d'accord. Ok, on va les choper. Ils sont partis où? En Suède, viens là. Ah, ils passent par là. Ouh, attends, on bouge plus. Avec un peu de chance, on y arrive avant. Il pourra plus passer. C'est le cas. Non, c'est pas le cas parce qu'il doit avoir l'accès militaire ici. Mission. Alors, on perd de l'argent, on gagne 100 points de mine et 5 de prestige. Ou, oui, vas-y. On a converti du coup. Ah bah, on a fini cette armée professionnelle. Au moins 50% de professionnels de l'armée. Ouais, je l'ai pété un peu mon professionnalisme. À 25. Du prestige, oui. J'ai l'impression qu'il remonte, on va venir là. Cool. Mince. Ok. Alors ensuite. Au fait, Kazan, t'as pas envie de dégager? De loin ou pas? Non. Non, mais c'est pas ça que je veux, c'est ça. J'ai déjà filé à Novgorod. Du coup. Ok, putain, on va y arriver avec eux là. T'as un bohème. Et pourquoi je peux pas... Ah parce qu'il y a, oui, il y a ça, d'accord. Ok. Bon, chope-les. Toi, viens là. Attends, tu vas où, toi? Tu viens là, parfait. Qui va? Je vais pas aller chercher, hein. Oui. Tiens d'ailleurs toi. Et c'est à peu près tout, non? Bad. Et je crois pas que je puisse, non? Si. Très bien, alors. Tac, voilà. Et
Je peux pas, pourquoi? Parce qu'il me faut 98 points, ok. Oh, ça s'arrange pas les dettes espagnoles. Bon, ouais. Alors. Toi viens là, toi avec GRE, ouais. Toi viens là. Ok, on va leur tomber dessus, très bien. Des rebelles hein, ici. Bon en fait... La peste. Toi t'y vas, ok. Très bien. Qui va? Tu as pas envie de t'en aller? Non. Riazan, tu veux bien donner ça à Novgorod? Mais c'est très bien. Très très bien. Ok. Il n'y a plus de fort là. Non, il y a juste qui va là, qui saoule. Oh, Novgorod, génial. Parfait. Bon. Du coup. On va faire ça. Ça, tu vas venir là, tu m'as même. Ouais. Voilà, ça. 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 Ouais, on arrive. Très bien. Mais j'ai rien d'autre ici. Ouais. La Grande-Bretagne nous a rivalisé. Ah, qui va? Tu veux quoi? Ah oui, mais non, mais... tu rigoles ou quoi? Est-ce qu'une vassalisation t'intéresserait? Ça fait chier personne. Oh, on va peut-être vassaliser qui va. On pourrait remonter là. Ok, bon, toi tu vas revenir maintenant. On va se positionner pour la Lituanie. Et toi aussi. Ok. Qui va? Ah, qui va? C'est pénible. Il y a 22 000 là quand même. Ok, alors, venez là. Putain, mais prenez Bellou 0. Garde religieux en France. Les troupes vont être envoyées en France, oui, carrément. Vas-y, envoie des troupes. Attends. Bien, très bien ça. On va arriver à choper Kiva. On peut prendre une doctrine. Ouais. Je casse la course et l'embargo, vas-y. Kiva, on en a déjà discuté, mais t'étais pas chaud. Tu vois? Pas loin, mais pas chaud. Ils sont par là, je crois, qui va. Ah,
T'avais pas un général toi? Si. Qui envoie grave du steak en plus. Putain mais ils sont où qui va? Allez, acceptez la vacillation. Peut-être à la fin du mois. Ah ils sont là. Ils vont essayer de se dessiéger. C'est ça. Alors Kiva, qu'est-ce que t'en dis là? Là tu sens que ça peut te tomber dessus, non? Voilà. Non allez, vas-y, je suis gentil. Merci Kiva. Donc nous on peut revenir par là. Et toi tu peux revenir par là. On attend un jour, voilà. Et on fait la paix avec la Moscovie. On va faire un trou en Moscovie. Voilà, très bien. Ou alors on fait un trou comme ça. Eh, j'aimerais bien un truc qui se finisse. C'est quoi qu'on prend, hein, Yaroslav. Voilà. Ouais, toujours les mêmes. Hein. Voilà, on finit ça à Novgorod. Tiens, mais toi, quitte à ce que tu fasses la gueule, je peux pas parce que tu m'aimes pas. Novgorod. Ça pique un peu. On va essayer Yaroslav. Non, Yaroslav, je peux pas pouvoir de suite. Ça va être juste. Il va pas pouvoir tout prendre, je pense. C'est quoi ça? Volga, ouais. Ici tu peux, et puis on va attendre pour ça. Parce qu'à mon avis, je peux pas le légitimer ça, ouais. Bon, c'est pas dramatique. Ok, toi tu viens là, toi tu viens là, toi t'es là, super. Je dois pouvoir prendre des terres, oui. Très bien. Est-ce que je peux attaquer Lübeck? Ça va faire du bien niveau finance. Ouais, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ok, allez, finalement, tu viens là. Toi, tu viens par là. Et toi, va à Moscou. C'est ça, je pense. Non, là. Putain, espagnol, vous me rendez fou. Ça te déstabiliserait. Pourquoi? T'es en trêve? Pff, elle me fatigue, cette... cette Espagne. Ah, toi, t'es lié à France et Autriche. C'est particulier, ça, quand même. D'ailleurs, toi, on n'a pas de trêve, hein? Non. Voilà. Est-ce que je pourrais pas t'éclater les dents un petit peu? Ah, ça fait du monde quand même. Hein. Après, je pourrais faire venir la Hongrie, comme ça, t'appelles pas tes alliés. Ah, t'es une dépendance. Non, si, ça revient même. Naples, Savoie, Trois Ligues, Trent. Et Palatina. Palatina, j'y ai... Si, j'y ai... Non, j'y ai pas accès. Pas loin, mais j'y ai pas accès. Non. Va à Stockholm, toi. Ah oui, on pourrait d'ailleurs... intégrer nos provinces. Bon, voyons voir s'il n'y a pas une mission à finir rapidement. La Cili... Alors attends. La Franconie, ça me demande. Juste la S.
Ah, je peux faire venir Lübeck. Tu viens toi si je t'attaque? Ouais. Ok, donc on garde ce plan. Et je vais continuer à mettre chez Pied ou Trajet. Tu fais choper où? En Pologne. Ok, abandonne. Voilà. Et donc, on disait attaquer Lübeck qui va faire venir 2-3 gars. Toi, tu vas là-bas. Toi. Tu vas gérer les rebelles. C'est pas chez nous, ça, oui. Voilà. Une revendication sur... Oh cool. Cool. Alors, si je t'attaque. C'est toujours pareil, 80, ouais, même plus. Ok, on gagne plein d'argent. Donc on va faire des canons. Je peux monter à 28. Enfin 32 même. Non, là j'ai un 3. Ok. Hérétique, vieille croyante. C'est particulier, mais ok. Ouais, l'Espagne est contente, on est ravis. Est-ce que ça veut dire qu'ils viennent contre la France? Ben non, ça les déstabiliserait. Les pauvres Espagnols seraient déstabilisés. Oh là là. Ouais, c'est une alliance de protection. Ça évite que les mecs aient envie de nous sauter dessus. Est-ce que je peux filer des trucs à Novgorod? Comment s'appelle cette province? Mologa. Oui! Génial. Ok. Alors maintenant qu'on a plein de canons, on a un peu moins d'argent, forcément. Alors on va diviser en deux ce stack quand c'est fini. Je sais plus si on est à fond ou pas. Ouais. Ok, bon. Du coup on s'arrête là pour aujourd'hui. Prochain épisode on saute sur Lübeck. On prend Lübeck. Et on prend S aussi. Comme ça on aura... conquérir la Franconie. Qui nous donnera 100 points de puissance militaire. Ok, je m'attendais à mieux, mais ok. La base Saxe, ça nous demande quelques provinces quand même. Brunswick, Goslar, Winbourg, Oldenbourg, Frise et Hambourg. Mais bon, prochaine étape, on a dit Lübeck, qui d'ailleurs va nous faire du bien en termes de commerce. Avec niveau 2, vous auriez pu l'améliorer, les gars. Parce que c'est le nœud commercial de Lübeck. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous!